tous pour le deuxième épisode du podcast Yana et Tricot. J'espère que vous allez bien et que vous avez devant vous un petit tricot pour m'accompagner pendant tout le long de l'épisode. Donc avant tout, je voulais vous remercier, mes grands merci à tout le monde pour les gentils mots, les encouragements pour continuer, les messages sur les différents réseaux sociaux. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a donné envie de continuer, donc nous voilà. Vous pouvez retrouver la boutique, donc Lanae Tricot, sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook sous Lanae Tricot. Puis Ravelry, c'est Lanae Boutique. Et mon Ravelry personnel à moi, où vous pouvez trouver tous mes projets, mes réalisations, mes favoris et tout ça, c'est Anna Baldous. Si vous voulez contacter la boutique pour n'importe quelle raison, des conseils, des laines, des commandes, n'importe quoi sur la boutique, sur l'ANAE, la meilleure façon de le faire, c'est avec un mail. Le mail, vous le trouvez soit à travers le formulaire de contact dans la boutique en ligne, donc lanae-tricot.com, soit je vous mettrai aussi le mail direct pour la boutique, donc lanae.atelierboutique@gmail.com. Donc ça, c'est la meilleure façon d'obtenir une réponse, surtout le week-end, parce que le week-end, je suis très très peu sur les réseaux sociaux. Pour moi, le week-end, c'est le dimanche et le lundi, parce que la boutique est ouverte du mardi au samedi. Donc le samedi, il n'y a pas de souci, je vous réponds, je suis à la boutique. Le dimanche et le lundi, je le consacre un peu plus à mes loisirs créatif, personnel, à ma famille ou ma petite famille. Voilà, je prends moins le temps d'aller sur les réseaux et de partager. Je fais quelques stories d'ici par là. Si j'ai vraiment quelque chose à partager, je le fais. Mais je sais, enfin, le 90% du temps, je fais autre chose et je suis pas sur les réseaux comme pendant la semaine. Donc si vous voulez bien un message, une réponse, et que votre message ne passe pas inaperçu dans la quantité de messages que je reçois, envoyez-moi un mail. Vous savez que le mardi matin, vous avez la réponse parce que je l'irai directement dans ma boîte mail le mardi matin et je réponds mail par mail sans souci et avec beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail et voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une réponse. Après oui, je réponds aux petits commentaires Instagram, Facebook, YouTube maintenant aussi. Mais voilà, le week-end, vraiment, je prends plus de temps pour moi et pour me reposer un tout petit peu plus. Donc voilà. Oui, concernant une petite chose, et je regarde à côté parce que j'ai mes notes de podcast. Une petite chose qui m'a fait bien rire, mais enfin c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est la confusion entre les prénoms Lanae ou le nom Lanae et le prénom Anna. Moi, je m'appelle Anna, donc avec un seul N, parce que mon prénom est d'origine espagnole, j'ai des origines espagnoles, et mes parents avaient choisi de, comme j'ai grandi en Espagne, avaient choisi de mettre un prénom plutôt espagnol qui aille facilement avec l'Espagne et la France, donc c'est Anna, avec un seul N, et Lanae, c'est le nom de la boutique. Donc, Lanae Tricot, si vous préférez, je peux l'appeler comme ça tout le temps. C'est un peu plus long, mais voilà, comme ça, ça fait bien la différence. Il n'y a pas de souci si vous m'appelez Lanae, je ne fais pas fâcher. mais voilà, ça me fait rire parce que pour moi, Lanae, c'est la boutique. Même si j'ai dit les derniers épisodes, que Lanae, c'est moi et inversement. Bon, Lanae, c'est le reflet, bien sûr, de ce que je fais. Mais de là à me confondre avec la boutique, c'est assez sympa. Mais voilà, et c'est vrai que Lanae, vous avez pas tort, Lanae c'est un prénom. C'est un prénom qui est porté plus tôt par des afro-américaines, ce qui n'est pas le cas. Mais on l'a pas choisi, et quand je dis on, c'est pas moi qui ai choisi le nom toute seule, c'est ma famille. On l'a pas choisi comme ça. On savait que c'était un prénom, mais ça venait aussi, bon, Lanae, c'est la déclinaison latine du mot laine en latin, qui est lana. Et moi j'ai fait des études littéraires, donc ça allait bien avec mon passé littéraire étudiant avant d'ouvrir la boutique. Puis en fait ma mère avait pensé à la formule Lanae comme Rosa Rosae, puis moi je trouvais ça un peu long, donc on a gardé le Lanae.
Sachant que dans Lanae, il y a effectivement mon prénom, Anna. Il y a Lana qui veut dire laine, non seulement en latin, mais en espagnol aussi. Donc ça faisait un clin d'œil à mes origines aussi espagnoles. Et voilà. Et je trouvais que la sonorité était jolie, c'était court. Et j'avais pas envie de mettre un nom classique à la française avec maille, aiguille, pelote. Pas parce que je respecte tout à fait le choix des autres. Mais voilà, moi j'avais envie de quelque chose de plus original, plus personnel. Et voilà, et c'est ça qui est sorti comme après de nombreux brainstorming et casse-tête, c'est ça qui a fini par être choisi, et je suis assez contente. Enfin, moi j'aime bien le nom en tout cas. Et donc voilà, voilà, Lana et Anna, c'est la même chose, mais c'est pas la même personne. Enfin, vous voyez comme vous voulez, mais sachez que moi je m'appelle Anna, et si vous voulez m'écrire sur les réseaux, tout ça, c'est Anna, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas mal de choses à vous raconter. On va se lancer directement là-dessus. Je vais commencer par une petite chose que j'avais dit le podcast précédent, mais qui a été coupée par ma caméra. Le Cal Laine Magazine numéro 4, sur le du coup Ravelry de la boutique, Lanae Boutique, on organise un cal pour le Laine Magazine numéro 4 jusqu'à sa sortie au mois de mai. Je crois que c'est début mai, mais enfin au mois de mai. Et voilà, donc on a organisé ça, c'est vraiment un cal très très cool, juste si vous voulez nous dire ce que vous faites, si vous faites des choses sur le Laine Magazine, si vous avez des questions sur les patrons, parce que le Laine Magazine c'est un magazine en anglais. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de partager des petites choses sur ça avec nous, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, et il n'y a pas spécialement de prix ou de lot, enfin c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire pour partager autour de du magazine, donc voilà, vous pouvez participer sans souci. Et il y a d'ailleurs un projet qui a été fini par une amie, par Laura, je vous en ai déjà parlé l'épisode précédent, c'est une de mes amies de la boutique avec qui on tricote, et voilà. Et elle a fini un des projets du Laine Magazine. Et alors, je vais vous le montrer parce qu'elle me l'a laissé, et vous allez être surpris par la taille, il est immense. C'est le châle anciennement appelé Shibui, qui maintenant s'appelle Aito, je crois. Qui va, peut-être si vous avez la première édition du Laine Magazine 4, il vous apparaît sous le nom Shibui, mais là normalement les filles de Laine Magazine nous ont confirmé qu'elles vont changer le nom sur les éditions futures, et je crois qu'il doit être changé aussi sur Ravelry. Donc c'est le Aito si je me trompe pas. Donc c'est un châle qui est fait dans la laine le Pleutou de Lopi. Voilà, que vous avez là, ça se présente en forme de cake. Voilà le nom, ça c'est l'étiquette qui vient avec les pelotes. Enfin, c'est même pas des pelotes parce que c'est des sortes de disques de laine. Alors c'est de la laine qui n'est pas... En fait, c'est de la laine, mais c'est pas du... Elle n'est pas comment dire ? Elle n'est pas... Il n'y a pas de différents fils, elle n'est pas filée pour être transformée en laine. En laine, disons, en fil à tricoter, donc c'est du, en anglais je crois que ça s'appelle du rowing ou quelque chose comme ça, donc c'est une laine qui casse assez facilement, qui feutre assez facilement aussi, donc si je devais mettre ça ensemble, je peux le faire avec les doigts, je chauffe un peu et je peux le coller hyper facilement au bout que je viens de couper, donc c'est une laine très poilue une fois tricotée. C'est la Istex Lopi hein, que vous trouvez, en fait ça c'est l'équivalent de la Lopi, et je pense que la Lopi est formée par deux brins de ceux-ci collés ensemble, feutrés ensemble. Donc voilà comment ça se présente. Le châle du coup c'est le, j'ai pas dit mais c'est la créatrice c'est Bemandarins, donc Melody Hoffman, avec qui on a une très très bonne relation aussi. Elle est adorable. Et voilà, donc moi j'avais proposé des kits à la sortie du Laine Magazine. Donc il y a 6 couleurs, je vais vous les montrer. Il y a 6 couleurs, donc il y a le noir, le bleu, le marron foncé, marron clair. Et après il y a des tons de beige jusqu'à un écru un peu beige aussi. Donc voilà, c'est de la laine vraiment pas chère. Rustique.
elle gratte un peu, mais c'est de l'alopie. Si vous avez déjà eu de l'alopie, enfin, moi j'aime pas le terme gratter parce que c'est pas vraiment ça, hein. Mais c'est de la laine, voilà, qui accroche. C'est pas du mérino super wesh, ça il faut le tenir en compte. C'est ce qui donne d'ailleurs tout son charme et la chaleur qu'elle peut donner, notamment pour les pulls islandais, hein, que vous voyez, tout ça. C'est des pays assez froids, donc ils ont besoin de laine assez chaude. Donc voilà, donc Laura a fini son châle. Vous allez voir, il est immense. Donc moi je l'appelle la couverture parce que il est vraiment immense. Je sais même pas comment le mettre pour vous le montrer. Bon, on va commencer par la couleur plus claire. Donc voilà, en fait ce châle forme un dégradé. Et le dégradé, on le fait justement par cette technique du. Alors en anglais, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais de couper ou de déchirer le fil et de le feutrer en donnant un peu de chaleur, un peu d'eau ou de salive, en le frottant et du coup, on va feutrer un bout d'une couleur avec la couleur suivante et on va pouvoir tricoter. Et on va faire ça à différentes étapes. Je pense que ça se voit bien à ce niveau-là. Voilà, on va faire ça à différentes étapes. Et ça va nous fondre, ça va nous faire un fade, ça va nous fondre les couleurs les unes dans les autres. Donc vous voyez, enfin je sais pas ce que vous voyez, mais il est immense. Alors Laura tenait à vous dire, elle l'a dit sur son post Facebook, Instagram pardon. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver, c'est Borax 38. Si vous voulez voir ses réalisations tricot et les photos du châle et tout, c'est que dans le livre, il y a, ou dans le magazine, il y a une petite erreur, et c'est que la dentelle, parce qu'il y a des alternances de dentelle et de point mousse, la dentelle devrait être en fait travaillée en point mousse aussi, mais il y a une erreur et il est indiqué en point jersey. En jersey. Bon, après, Laura, je pense pas que ça la dérange plus que ça. Franchement, le résultat est tout aussi joli dans une chose que dans une autre. Mais voilà, donc, si vous voulez le faire, sachez que soit il va être corrigé dans les éditions qui viennent, soit vous regardez bien dans le magazine leur site, parce que ce sera du coup indiqué. Donc je pense, j'ai déjà chaud avec ça sur mes genoux. C'est incroyable. Ils sont tellement bien à Laura. Donc voilà. La bête avec la ploutoute-loupie. Voilà. Il est assez poilu. Je sais pas si vous voyez le halo que ça crée. Et franchement, pour l'hiver, se mettre dedans. Ici, on a de la neige, on est dans les montagnes. Donc, on imagine bien dans les montagnes. Voilà. Donc, voilà. Parlons-moi, enfin, de mes projets à moi. Projet porté, enfin, fini. Est-ce que je porte? Ben, vous l'avez reconnu, hein, c'est mon Aveiro de tête bêche, de Orlan Such. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Elle l'a sorti, donc je vous avais dit que je vous le présenterais, porté, etc. À sa sortie. Elle l'a sorti pas hier, avant-hier. Aujourd'hui, on est vendredi 13, si je ne me trompe pas. Et 13 avril. Et voilà, elle vient tout juste de le sortir. J'ai posté une photo sur Instagram et Facebook portée comme ça, avec la chemise. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça donne un effet un peu élégant, mais en même temps, je le porte avec des Vans, donc ça reste décontracté. Voilà, j'aime bien le style que ça donne. Je l'ai porté dimanche à la Knitit de Lyon avec juste un t-shirt à manches longues. Et ça fait aussi tout son effet, tout son charme. Vous pouvez le porter avec différents styles, et c'est ça que j'aime bien dans ce patron, dans ce pat enfin, j'ai trouvé ça assez versatile et assez sympa. Alors je ne sais pas ce que vous voyez, mais la dernière fois je vous ai montré juste plié. Donc les manches, je pense que sur le patron elles doivent être un peu plus longues. Ou moi, enfin c'est aussi le problème, pas le problème, mais la façon dont je suis faite, j'ai les épaules un peu carrées. Donc même si parfois je fais la même longueur de manche que la créatrice ou le créateur, il m'arrive souvent d'avoir les manches plus courtes parce que justement mon épaule prend plus de forme, j'ai pas une épaule tombante et voilà. Parfois il faut que parfois non, je rallonge les manches le 90% des fois parce que je me retrouve tout le temps avec des manches qui rétrécissent. Ça me gêne pas ici parce que je le considère un pull d'entre-saison. Je n'ai aucun pull avec les manches trois quarts ou courtes ou tout ça, donc je me suis dit, bah, tiens, ça ira bien pour changer un peu.
Ici, sur le côté, vous avez des côtes ouvertes. Donc, celle de derrière est un peu plus longue que celle de devant. Et les côtes sont inversées, donc vous n'avez pas les mêmes côtes devant, derrière. Je crois que c'est des côtes 2-1. Et voilà, des côtes 2-1 dans les deux côtés, mais elles sont présentées. Il y a un côté où on voit les deux en plein jersey, et derrière on voit une en plein jersey. Donc voilà, il y a tout le temps des petits détails comme ça chez Orlan qui font de quelque chose de très simple, quelque chose de très spécial, avec plein de petites techniques, et nous fait apprendre pas mal de choses. Voilà, moi j'avais jamais fait une encolure en V, donc là pour le point qui est diminué, tatata. Enfin, j'ai trouvé que c'était très plaisant à tricoter, c'est un projet qui monte très rapidement pour moi, parce que moi dès qu'il y a des rayures, et ben ça me fait monter incroyablement vite. J'ai fait la technique qu'elle donne pour les rayures, pour la différence des rayures, donc c'est, je pense que c'est soulever la maille précédente sur le rang où on est en train de travailler et tricoter, et la tricoter ensemble avec la maille suivante. Vous n'avez rien compris, mais bon, je vous mettrai, comme je vais faire un article de blog que je vais aussi mettre en ligne en même temps que la vidéo. Vous pourrez voir un peu toutes les techniques sans vous dévoiler le patron, parce que bien sûr c'est un patron payant, mais en vous disant, parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question sur les rayures, donc en vous disant un peu comment j'ai fait, la taille d'aiguille que j'ai utilisée, mais ça je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'avais augmenté à un 4,5 pour avoir l'échantillon. Et sinon voilà, c'est un pull un peu, bon, c'est un pull boxy, un peu cropped, col V, donc tout ce que je n'ai pas dans ma garde-robe. Et je sais pas, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous avez été nombreuses à être curieuses sur cette laine qui est la Mungo de Retrosaria. Je vous en ai déjà parlé sur Retrosaria, sur la laine, sur le podcast précédent. Vous avez sous la vidéo la minute où je parle de mes projets finis. Et là, vous aurez les informations sur tout ça. Donc c'est pour vous rappeler juste rapidement, c'est du coton LN recyclé, donc 50% coton, 50% laine, issu des matières de l'industrie textile portugaise et espagnole. J'imagine quand ils n'ont pas assez du Portugal, ils vont en prendre un peu chez les non en Espagne. Donc voilà. Vous avez été aussi nombreuses à en acheter là ces derniers temps, et je prépare d'autres colis qui vont partir bientôt chez vous. Donc voilà pour la Mungo. Et pour ce Aveiro qui du coup vient de sortir, il est disponible sur Ravelry. Je vous encourage vraiment à aller voir, et non seulement ce patron de Orlan, mais aussi les autres, parce qu'elle vient de sortir un châle écru super joli aussi. Enfin vraiment, elle fait de très très jolies choses, et elle mérite d'être découverte, parce que je pense que voilà, on la voit moins circuler que d'autres créateurs, et vraiment elle fait de très très belles choses. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aller lire l'article de blog, et si les questions ne sont pas répondues, venez vers moi, je vous donnerai les réponses nécessaires si jamais vous avez d'autres choses. Donc passons au projet fini. Alors projet fini, j'en ai deux, mais je peux pas vous les montrer, parce que c'est des cadeaux, je peux pas vous dire pour qui, et ils sont déjà partis, ça donne un indice. Donc je les ai pas avec moi, et de toute façon je sais que la personne va regarder et je veux pas du tout qu'elle sache, deuxième indice. Donc voilà, mais par contre j'ai fait des photos, donc je vais les insérer dans l'épisode prochain, dans 2-3 semaines, comme ça vous les verrez, je vous en parlerai, mais la personne les aura déjà reçus. Donc il y a un projet tricot et un projet couture. Je vais pas vous parler énormément de couture sur le podcast, parce que moi ce que je fais le plus c'est du tricot, et on est mine de rien dans une boutique de laine, donc voilà. Mais je commence la couture, donc ça me faisait plaisir de vous présenter mon premier, tout premier vêtement, troisième indice, en couture. Et voilà, parce que je trouve qu'il est très réussi et qu'il va beaucoup plaire à la personne, donc voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais finir par dire ce que c'est. Mais j'ai eu... Alors, ça a été un peu chaotique au niveau... Enfin, chaotique, pas chaotique, mais j'ai rien fait de ce que je vous avais dit la dernière fois dans mes projets à venir et tout ça. Le pull, un des pulls en jacquard, donc celui qui était en laine vraiment très très rustique, je ne l'ai pas touché parce que je suis des...
Enfin, je pense que je vais devoir le tricoter en 3,25. Et là, j'ai pas très envie de tricoter un pull en 3,25. Donc, il fait un peu sa réflexion. Et en plus, il faut que je refasse l'échantillon. Parce que j'avais pas fait la bonne élève, j'avais pas fait mon échantillon classique en deux parties. Alors, où est-ce qu'ils sont mes échantillons? Voilà. Là, vous le voyez pas, mais vous vous rappelez, si je vous ai parlé du Mongo, j'avais fait mon échantillon en deux parties. Donc, deux parties, ça veut dire en deux tailles d'aiguille, pour être sûr de quelle taille aller le mieux avec l'échantillon recommandé. Donc, voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, ça a été un peu compliqué. Je voulais faire des cadeaux du coup en tricot, j'avais fait ce premier projet qui est déjà fini, envoyé et tout ça. J'avais commencé un autre qui était le Ice Melt Snow de Melody Hoffman aussi. Et en fait, j'avais fait un mélange de laine pour déstacher un peu des laines fingering Merino Superwash que j'avais. Et j'ai tricoté, ce châle est un carré en tricot, en point mousse, avec des petits ajouts. Et je vous mettrai toutes les photos. Là, j'ai réussi à savoir comment mettre les photos sur les images. Donc normalement, mon explication vient accompagnée d'une photo. Donc voilà, j'ai commencé ce châle, mais mon choix de laine ne me plaisait pas. Et comme c'était un cadeau, je me suis dit, si ça me plaît pas moi... je peux pas offrir un truc qui ne me plaît pas moi, donc et de tricoter quelque chose qui finalement me dit pas plus que ça. Donc j'avais tricoté presque la moitié du châle, sachant que c'est un châle de 4 échevaux. Donc bon, du temps perdu en tricot, mais bon, c'est tant mieux parce que franchement j'aurais pas eu le plaisir de l'offrir et tout ça. Donc voilà, ça a été du temps perdu. Puis après j'ai fait de la couture, donc j'ai pas hyper avancé dans mes projets. Puis j'ai commencé, vous allez voir, d'autres projets. D'autres projets qui n'étaient pas prévus. Donc, je vais vous montrer ça. Oui, je vais vous montrer d'abord un projet qui, du coup, lui, a avancé un peu et que je vous avais montré l'épisode précédent. Le premier épisode, c'est les chaussettes mon chip shop en verre nucléaire. Donc, j'ai fini la première. Il manque le talon, mais le talon, je le ferai à la fin. Comme ça, je serai sûre de les mettre tous les deux au même endroit et de bien essayer sur le pied de mon copain, etc. Parce que c'est des chaussettes pour mon copain. J'ai rentré les fils, ils restent bloqués et coupé les fils. Donc ça, c'est pour la première. Et la deuxième, je l'ai commencé dimanche à la nitide de Lyon. Je vais vous en parler de la nitide de Lyon un peu. Du nitite de Lyon, pas de la nitite. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième, toujours sur mes aiguilles 2 mm à 2 mm 25 cm. Je suis toujours aussi contente. Et voilà, ça va avancer gentiment, mais elles sont finies. Là, dès que j'ai commencé la deuxième, je sais que ma paire est sûre et que je vais pas la laisser de côté. Donc ça, c'est pour le projet chaussettes. J'ai avancé un peu mes chaussettes Bondi, mais je vais pas vous les montrer parce que voilà, c'est... Une chaussette, je vous les montrerai vraiment quand je les aurai finies. Ça, c'est pareil, je vous les montrerai maintenant que quand elles sont finies. J'ai pas annoncé mes autres projets que je vous avais montrés, donc le reste des chaussettes, etc., etc. Mais j'ai monté un nouveau projet en regardant un de mes podcasts préférés, qui est le podcast de Ellie. Et là, j'ai un bug sur son nom. Skin Dear Knits, donc... je vous mettrai peut-être une photo d'elle pour que vous puissiez la suivre ou de toute façon vous avez sous la vidéo, parce que j'ai eu des questions sur ça, sous la vidéo vous tapez information et vous avez un lien qui vous emmène à mon blog, et sur le blog vous avez tous les liens sur les projets, les laines, les personnes dont je parle, les créatrices, tout ça, vous avez toutes les informations. Donc n'hésitez pas à rechercher un peu, c'est pas compliqué, vous avez. Et maintenant j'ai fait aussi, j'ai mis les minutes donc de chaque si vous voulez sauter directement au projet fini ou au projet en cours, vous tapez directement sur la minute et que je vous aurais indiqué aussi, vous pouvez aller directement par section au lieu de regarder tout d'un seul coup. Donc ça, c'est ça. Je fais plus de coupures et je vous parle de mon projet en cours. Donc en regardant le fameux podcast de Skin Dear Knits, elle disait qu'elle avait commencé le Carbeth, ou qu'elle allait commencer le Carbeth sweater de Kate Davis, pareil photo, je fais là mais ça peut être là. Et du coup c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, mais la version cardigan, dans la version veste. Et je me suis dit, ah tatata, qu'est-ce que je pourrais dans mon stage. J'avais de la fausse, donc de la loppy mais en plus grosse. Mais j'avais pas assez de quantité, bon bref, hein. Et en regardant mon stage, j'ai redécouvert, mais j'ai vu que j'avais, elle se présente pas comme ça, mais moi
Je l'ai mis en double, donc je l'ai bobiné en double sur ma pelote, sur une pelote. C'est de la... Alors, j'ai l'étiquette ici, donc c'est ça. Vous voyez rien, mais je vais vous le dire. Donc, c'est... La marque, c'est The Border Mill. Et c'est du alpaga mohair DK. Donc, c'est 5% alpaga, 5% mohair. Et c'est une épaisseur DK. J'avais acheté ça au Festival d'Édimbourg 2017. Et j'avais acheté une quantité immense. J'avais acheté 7 pelotes de 200 mètres. Donc, Kay Davies, elle a une marque de laine. Je ne sais plus le nom. Mais elle a sa propre marque. Et là, pour ce design qu'elle a créé, elle a doublé sa laine, qui est une DK, pour obtenir une bulky. Alors moi, je me suis dit, chouette, j'ai de la DK. Si je la double, j'obtiens la même chose que Kay Davies. Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, cette laine-là, elle change pas mal de taille au fur et à mesure. Donc elle passe d'une fingering sport à une DK. Selon comme, où j'arrive dans la laine, donc ça me fait pas du tout une bulky, ça fait plutôt une worsted à rang. Et Kay Davies le tricoté en 6,5. Et moi finalement j'ai fait mon échantillon, tout ça, j'avais déjà fait un échantillon avec cette laine, donc je savais comment elle réagissait, j'ai vraiment du mal avec ce mot, au lavage, je sais qu'elle gonfle pas plus que ça, donc voilà, bref, j'ai fait mon mix and match. Et je tricote du coup en 5,5. Donc j'ai fait le corps, c'est un corps assez court, mais je pense que je le rallongerai quand même. Mais bon, comme je ne sais pas si j'ai assez de laine, je préfère le faire dans les règles de l'art. Et puis après, voilà, s'il faut rallonger, je rallonge, il n'y a pas de souci. Donc là, il ressemble à rien. Hein. Mais voilà, ça c'est le corps, c'est un mini corps. Et j'ai fait la première manche. Voilà, rien de spécial, hein, c'est une manche. Et je suis en train de finir la deuxième. Donc là, il me reste, je ne sais pas, 5 cm de la deuxième. Puis après, c'est un bottom-up. Donc on fait le corps, les manches et après on rassemble. Et je rassemblerai, je ferai le col. Il y a un col comme ça replié. Et la boutonnière. Alors j'ai très envie de faire la boutonnière parce que c'est une boutonnière en icorn. J'ai jamais fait ça. Donc je vous dirai comment ça se passe. Et si c'est vraiment pratique et tout. Voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça dans la construction du modèle qui me font vraiment envie parce que je les ai jamais faites. Et je trouve que ça donne un petit point original au cardigan. Et voilà, et il me fait vraiment très envie. Alors c'est un cardigan que je porterai peut-être pas tout de suite. Il se tricote super rapidement parce que c'est de la rose laine. En plus, il est pas très long. Donc voilà, si vous avez envie d'un projet rapide. Moi, je l'ai commencé le 4 avril, je pense. Ouais, le 4 avril. Donc, vous voyez, j'ai presque fini. Il me reste plus que l'assemblage et, disons, le yoke, enfin, la partie du haut, et la bande de boutonnage. Donc, il me reste vraiment pas longtemps pour le finir. J'espère que pour le prochain épisode, je l'aurai fini. Et voilà. Enfin, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Mais je vous mettrai toutes les informations, comme j'ai bien dit. Et j'ai choisi mes petits boutons. Donc, c'est des boutons un peu... Enfin... C'est des boutons d'atelier Camelire et ils sont à l'aquarelle. Enfin, on dirait que c'est du travail d'aquarelle qui a été fait dessus. Et du coup, ils ont des petites pointes de rose à l'intérieur. Donc j'ai besoin de 6 boutons. Donc j'ai choisi les... Comme par hasard, il y avait 2 lots de boutons très similaires. Parce que moi, je les ai en boutique, les boutons d'atelier Camelire. Et du coup, j'ai choisi ces boutons. Je trouve que je vous ai posé la question hier sur Instagram si ça vous plaisait. Et il y en a pas mal qui ont validé mon choix. Donc, de toute façon, j'allais les mettre. Donc, voilà, ils sont assez jolis. Et puis, comme je les mettrai à tout coup, enfin, sûrement avec un jean, ça fera ressortir le bleu du jean et le rose des boutons et du cardigan. Donc, c'est parfait. Je suis très contente sur ça. Parce que c'est des boutons de 2 cm et demi dont elles demandent. Et là, ils font pile 2 cm et demi. Donc, j'ai eu un coup de chance sur ce coup-là, parce que normalement j'ai pas de bouton aussi gros. Voilà, ben, mes projets finis, mes projets en cours, ça s'arrête là. Ah oui, j'ai... Le projet pas très avancé, mais vous vous souvenez, je vous ai parlé du déchaîne que j'allais faire en lino. Oui, elle est là. La lino de langue, parce que j'avais envie de tester cette qualité, et c'est pile le type de fil dont le déchaîne est tricoté. Donc j'ai fait un demi-échantillon
Voilà, je pense qu'au lavage, il va un peu se détendre encore. Et je suis à 16 mailles en aiguille 6. Ouais, 6. Je pense que le patron est tricoté en 6,5 et demande un échantillon de 14. Mais je sais que pour moi, enfin, ça va pas me plaire. C'est déjà, bon, déjà, si je tire dessus, c'est déjà assez ajouré. En 6,5, non, je pense que je vais garder le 6, sachant que c'est un patron qui a. Je sais pas combien de centimètres d'aisance, mais je pense que la plus petite taille fait 138 centimètres de tour de poitrine. Donc, enfin, c'est énorme. À tous les coups, de toute façon, il va se détendre au lavage, il va se détendre une fois porté parce que c'est des mailles assez loose. Pardon. Donc, du coup, je pense qu'à tous les coups, je vais garder ça. Je vais le castonner sous peu parce que maintenant que le Carbeth cardigan est bien amancé. Je vais le castonner comme ça, je commence déjà petit à petit à le faire pour me le retrouver pour le printemps. Enfin, moi c'est plutôt un projet été. Pour l'été. Donc voilà, c'est un bordeaux et le coloris c'est le 64 de chez Lang. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le castonner. C'est un projet que j'ai dans ma to-do list depuis l'été dernier et j'ai vraiment très envie de le faire. Voilà. Donc, bah passons du coup aux achats de laine ou aux nouvelles acquisitions. J'ai oublié de l'apporter, mais j'ai acheté le Laine Magazine 2 parce que j'avais uniquement le 3 et le 4, mais il manque le 2 et le 1. Donc, le 2, j'ai trouvé que Biche et Buche l'avaient et comme elles étaient au Knit-It à Lyon dimanche dernier, bah, je leur ai demandé si elles pouvaient m'en mettre un de côté pour moi et un autre pour ma mère parce que ma mère aussi elle commence la collection avec moi. Et du coup, je les ai achetés chez elle parce qu'ils sont plus réimprimés. Donc, moi, je peux plus les avoir en boutique à travers Laine Magazine. Donc, c'est pas grave, je les achète. D'ailleurs, si vous savez le numéro 1 et que vous voulez vous en séparer et qu'il est en bon état, enfin, contactez-moi, je serai contente de vous libérer de Laine Magazine numéro 1. Ce sera avec plaisir. D'ailleurs, si vous en avez deux ou si vous êtes deux à vouloir vous libérer du Laine Magazine numéro 1, ma maman et moi on le prend. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait l'achat du numéro 2 et aussi j'ai eu un petit cadeau de la part de mon amie Julie qui m'a très gentiment offert à la Knit-It de Lyon ce petit kit de 4 mini échevaux, enfin mini, de 4 petits échevaux teints de façon naturelle, enfin avec des teintures naturelles végétales. Et animal, enfin ça c'est de la cochenille, de la marque teinturière Teinture Sauvage, qui était aussi présente à la Knit-It. Et ça faisait un tout petit moment que je la suivais sur Instagram. Elle fait des choses, mais oh, merveilleuses, des teintures super, super belles, notamment ce jaune, mais enfin voilà. Et elle avait comme ça des petits kits, alors elle avait des échevaux de 100 grammes, 100 mètres, enfin elle avait un peu de tout, différentes qualités, alpaca, chameau, des choses vraiment très intéressantes. Et Julie a vu, elle a dû voir que mes yeux ont fait des petites étoiles en voyant ça, et du coup elle me les a offerts. Merci, merci Julie, parce que j'adore. Et voilà pour vous dire, donc une couleur 100% naturelle, teint à la main, fabrication artisanale, je vous mettrai le lien sur son site. Là c'est de l'alpaga mérinos, il y a 100 grammes, donc 270 mètres, donc c'est quoi? C'est de la déca, worsting, déca. Et il y a du bois de Campeche, vaille d'or, je sais pas, je comprends pas trop l'écriture, vigne rouge, j'imagine que c'est le vert, et cochenille pour le rose. C'est du nom Superwash. Et voilà, elle vous dit comment le laver. Donc voilà sa petite étiquette. Elle est adorable. Alors je ne connais pas ton prénom, mais voilà. Mais super sympa. Elle fait beaucoup de crochets. Donc ça, en plus, ça donne une perspective un peu différente ou varie. Enfin, quand on voit ses réalisations, crochets et tout ça, ça donne vraiment envie, bah, de le faire dans ses laines naturelles et dans ses coloris naturels. Et elle fait un vrai travail sur la couleur. Elle fait du fil à broder aussi. Enfin, vraiment, on a passé longtemps sur son petit stand et à parler avec elle, à partager. Elle est très très gentille et bon voilà, c'est un très beau sou petit souvenir. C'est adorablement présenté et je pense que je vais faire un bonnet en jacquard.
Je vais peut-être d'ailleurs essayer de faire mon propre modèle. Voilà, c'est rien de promis, hein, mais voilà, ces couleurs-là sont vraiment. C'est vraiment des couleurs avec lesquelles je me. Enfin, c'est mes couleurs, donc ça m'attire vraiment de faire quelque chose avec et de pouvoir vous en parler et partager un peu plus sur ça. Donc voilà, c'est ma période alpagaie. Mais merci Julie, parce que. Enfin, voilà. En plus, elles sont super bonnes, les plantes. Enfin, voilà, j'ai que du positif à dire sur ça. L'anitite, franchement, ça c'est. Pour ceux qui savent pas, c'est une rencontre de tricot à Lyon, organisée par Emma. Son Instagram, c'est Encre Violette. Et par. Alors, l'autre personne, je ne me souviens pas, désolée, mais voilà, moi, celle que je connais le plus, c'est Emma. Et c'est la deuxième édition. J'avais été à la première, puis cette deuxième aussi, on a été cette fois-ci avec des amis de Grenoble, donc Julie et Elsa. Et franchement, on a passé une super après-midi. J'ai eu le plaisir de rencontrer Liz Taylor pour la première fois en vrai, donc c'était chouette. Voilà, il y avait Bichet Buche, il y avait Teinture Sauvage. Et Liz Taylor qui présentait et signait aussi son livre. Et puis on était un groupe, finalement, je me suis rendu compte qu'en regardant les Instagram des filles qui étaient là, on se suivait presque. Enfin, moi je suivais presque toutes. Alors que je pense que pour la prochaine fois, une bonne idée ce serait de mettre un petit badge avec prénom et pseudo Instagram. Parce qu'en reconnaissant les pseudo Instagram, je me dis, ah oui, mais c'était toi, j'ai parlé avec toi et c'était toi. Et parfois on reconnaît, au moins ça m'arrive, on reconnaît le pseudo, mais comme on n'a pas vu, parce qu'il y a plein d'entre vous qui ne postent pas des photos de votre visage, ce qui est normal et je tout à fait comprends. Mais du coup, quand on vous voit en vrai, on ne sait pas qui vous êtes et inversement, enfin, moi je poste des photos plus de. Et maintenant avec le podcast, vous voyez ma tête, mais, mais bon, c'est vrai que. C'est sympa de pouvoir rencontrer les personnes, mais je pense que vraiment la prochaine fois je mettrai un petit ou j'apporterai des étiquettes si j'y vais pour que tout le monde me dise ou que je fasse l'effort vraiment de demander bon, ton pseudo Instagram c'est qui, c'est quoi, parce que finalement je suivais presque tout le monde sur Instagram alors que j'ai pas reconnu les personnes. Donc je suis désolée, enfin hein, si je vous ai pas reconnu, c'est pas parce que j'ai pas voulu, mais c'est que vraiment je savais pas qui vous y étiez. Bref, ça a été super, on a eu un petit goûter, on a bavardé, on a tricoté, on a passé un super moment. En plus, nous, on est allé passer presque toute la journée à Lyon, donc vraiment, c'était super sympa. Voilà, ça nous faisait sortir du côté tricot Lanaé à Grenoble et bouger un peu pour aller rencontrer d'autres personnes. C'était très sympa et on a eu un petit pins autre cadeau de Nitit, voilà, que j'ai mis sur mon sac à projet Ikea. Voilà. Donc ça, c'était pour la Nitit. Donc merci beaucoup pour l'organisation. Coquine de Cindy a sorti le coloris de Pâques. Donc je crois que c'est à la chasse aux œufs. Je vais regarder. Non, je vais vous le montrer de toute façon. Voilà ce que j'ai acheté. C'est. Sur la base craquante et bon Cindy elle met les noms des laines à l'intérieur donc chasse aux œufs c'était bien ça donc voilà Cindy de mon chip shop qui était venue à la boutique début mars et voilà donc elle a sorti ça et elle a sorti ça si vous me connaissez sur une base qui a des nappes donc tweedées. Et j'ai fait non mais Cindy là tu me tues je viens t'acheter de la Saint-Patrick et tu me sors cette merveille enfin là sur les cheveux ça me dit peut-être moins mais allez voir sur son Instagram la boule parce que c'est des coloris pastels donc il y a du rose du bordeaux enfin du bleu du vert du jaune c'est vraiment des coloris de Pâques et quand j'ai vu ça j'ai fait non mais enfin, avec cette base là en plus que j'étais déjà en train de tricoter pour les chaussettes du Laine Magazine numéro 4 les Fragment Socks, je me suis dit non, mais j'aime beaucoup cette base. Je pense bien que c'est du BFL, oui, du BFL Superwash avec du nylon. Et j'aimais beaucoup tricoter cette base. Et je me suis dit non, mais c'est beaucoup plus original qu'une base à paillettes. J'adore le twin, il me la faut. Enfin voilà. Et j'ai dit à Cindy, je dis oh, quand même, je t'ai acheté ça, puis je peux pas m'en acheter d'autres, c'est dommage et tout. Et elle me dit bah, vends ta Saint-Patrick et tu achètes la chasse aux œufs. Avec cette base. Je dis,
Ah tiens, c'est pas bête. Mais finalement, je voulais pas trop me séparer de la Saint-Patrick, donc voilà, c'était un peu en dilemme. Et par hasard, mon amie Mélissa, qui en plus avait acheté de l'eau torréfiante, je crois qu'elle avait acheté bretonne et une autre, me montrait à ce moment-là, tiens, regarde comment on ressort bretonne, c'est tellement addictif, c'est tellement sympa, j'adore, j'adore. Je lui dis, oh, tu sais, elle vient de sortir, enfin, je lui raconte. Elle me dit, ben, moi, je veux bien te prendre la Saint-Patrick. Donc, j'ai fait, bon, ben, si tu veux bien me prendre la Saint-Patrick, moi, je prends la chasse aux œufs. Et comme ça, enfin voilà, bon, c'est pas grave, j'aurai pas la Saint-Patrick, mais j'aurai le plaisir de l'avoir parce que tu vas la tricoter. Et moi, j'aurai vraiment le coloris sur la base qui me plaît à 100%. Et tout le monde sera heureux. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis vraiment, enfin, je n'ai qu'une envie, c'est de finir la paire de mon copain pour castonner celle-ci parce que ça me fait vraiment envie et c'est printanier. Puis de toute façon, je les porterai pas au printemps, mais parce que j'aurais trop, enfin, je porterai déjà des chaussures d'été. Mais voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait un échange, j'ai fait un achat, un échange. Voilà, et finalement, je me retrouve avec celle-ci. Et du coup, je regarde mes notes pour voir que je n'oublie rien. Voilà. Donc c'est tout. Je pense que je vous ai tout raconté. J'oublie peut-être des choses. Non, il me semble pas. Oui, j'aurais voulu vous parler. Oui, je vais faire un petit point sur ça parce que ça me paraît quand même. Je vous en ai pas parlé. Pas peur. J'avais peur de ne pas avoir assez de temps, mais j'ai quand même un petit quart d'heure, donc j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que je réfléchis beaucoup à ça en tant que prof de tricot, maintenant que je suis prof de tricot à la boutique, et c'est la question de l'échantillon. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent à la boutique avec un patron, un échantillon. Je vous pose la question de comment vous tricotez, comment est-ce que vous tricotez, vous me dites normal. C'est une réponse très floue, déjà pour la personne qui est devant vous et pour vous-même, hein, parce que personne tricote normal. Ou le normal, qu'est-ce que c'est que le normal? Enfin, voilà. Moi, je sais que je tricote serré, je sais qu'il y a des personnes qui tricotent lâche, je sais qu'en général, les débutants vont plutôt avoir tendance à serrer par cette peur de perdre des mailles. Mais enfin, un tricot, une tension normale, pour moi, ça n'existe pas. Et je vais vous donner un exemple très simple. Que je pense que vous allez comprendre. Enfin, je vais pas mettre en parallèle avec quelque chose qui va vous faire peut-être comprendre assez facilement pourquoi je pense, moi, qu'un échantillon normal n'existe pas. Si je vous donne un crayon, si imaginons qu'on est 5 et je donne le même crayon, la même feuille de papier aux 5 personnes et que je vous demande de copier un texte, de recopier un texte avec ce même crayon, et avec ce même feuille de papier, je suis sûre et certaine, parce que j'ai été prof, que vous n'allez pas copier le texte de la même façon. C'est-à-dire, aucune d'entre vous ou aucun d'entre vous va avoir la même taille de lettres d'écriture. Aucun d'entre vous va écrire les mêmes lettres de la même façon. Donc si moi je vais écrire le A d'une façon, l'autre va l'écrire d'une autre façon et vice-versa. Et si pour si pour une d'entre vous, vous allez occuper une demi-feuille, il y en aura qui vont occuper une feuille entière, il y en aura qui vont occuper deux feuilles. On est d'accord. Personne n'écrit de la même façon. Et vous voyez où est-ce que je veux aller. Si personne n'écrit de la même façon, même si on écrit tous la même langue, le même texte, avec le même matériel, pourquoi est-ce qu'on penserait que quand on tricote, on a le même ou on doit avoir le même échantillon que le créateur ou la créatrice du modèle? Enfin, si on vous donne un texte écrit en machine, pourquoi est-ce que vous allez penser, enfin, personne ne penserait qu'il faut écrire comme, enfin, en machine, je dis ordinateur, hein. Écrit comme ça, personne irait recopier la même façon dont l'ordinateur reproduit les lettres. Ou personne n'irait penser qu'il faut que je fasse exactement dans le même style de lettres que mon copain d'à côté. On est d'accord. Chacun a sa façon d'écrire. Et d'ailleurs, même les différentes cultures, et moi qui suis un peu entre deux cultures, je vois bien que moi qui ai
j'ai été scolarisée en Espagne, je n'écris pas de la même façon, je n'ai pas la même réalisation des lettres que les Français, ou mes cousins, ou tous ceux qui ont été scolarisés en France. Donc déjà, si par chaque culture on a une façon différente d'écrire, et déjà individuellement on a une façon différente d'écrire, parce que les... Enfin voilà, on n'a pas le même geste, hein, mine de rien, voilà, ça change. Pourquoi est-ce qu'en tricot, on devrait tous avoir le même échantillon, on devrait avoir tous le même geste, on devrait tous carrer sous le même patron? Voilà, tout le monde tricote différent. Et on le voit quand, dans la Knit Night, quand on se réunit, on a beau être 16, les 16 tricotent de façon différente. Même s'il y en a qui tricotent avec la main droite, même s'il y en a qui tricotent avec la main gauche. Tout le monde prend les aiguilles de façon différente, tout le monde a une posture différente, tout le monde tient le fil d'une façon différente, et du coup ça entraîne des changements sur la façon dont vous travaillez l'échantillon. Et dans la façon dont vous travaillez votre tricot. Donc c'est normal que... Enfin voilà, c'est normal qu'on n'ait pas le même échantillon, et l'échantillon normal ou la façon de tricoter normale n'existe pas pour moi. Après, effectivement, on peut faire des efforts pour se rapprocher de l'échantillon recommandé. Mais vous voyez, moi, quand je vous présente mes projets, je suis consciente de ma façon de tricoter. Maintenant, ça fait des années que je tricote, enfin, quelques années que je tricote, et je connais ma façon de tricoter. Donc, je peux prévoir, selon les modèles que je vais faire, plus ou moins quelle taille d'aiguille je vais avoir, ou je vais avoir besoin, ou quel échantillon je vais avoir avec la taille d'aiguille recommandée, etc., etc. Donc, évidemment, pour les débutants, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne vous connaissez pas encore assez en tricot pour le faire. Mais pour les personnes qui tricotent depuis maintenant quelques années, si vous faites beaucoup de choses déjà en tricot, je pense que vous connaissez ou vous pouvez faire l'effort de vous connaître suffisamment pour savoir plus ou moins quel type d'échantillon vous allez avoir. Et après, une autre chose qui est trompeuse, c'est... oui, pour faire un pull, pour qu'il vous aille à votre taille, il faut faire un échantillon. On est d'accord. Et il faut laver l'échantillon, parce que j'ai plein de clientes qui ne lavent pas les échantillons, et du coup, oui, une fois que vous lavez le pull est trop grand, et bien évidemment, si vous n'avez pas lavé l'échantillon et que c'est de la laine superwash qui a tendance à pas se défaire, mais à grandir, bien évidemment, vous vous retrouvez avec des choses un peu différentes. Mais là où je veux en venir, c'est que si vous respectez, si vous faites l'échantillon et vous dites, oui, je vais faire un échantillon, alors... Bon, je fais au minimum possible pour pas perdre de laine et pas faire de gaspillage de laine de mes échevaux teints à la main. C'est pas grave, l'échantillon, vous pouvez le détricoter et vous le tricotez. Et si vous n'avez pas envie de couper la laine, vous le laissez, moi je fais tout le temps, vous le laissez attacher à la laine et une fois, si vous en avez besoin, et ben vous tirez du fil et vous récupérez votre laine. Pour ça, il n'y a aucun souci. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que vous allez respecter l'échantillon ou mettre peut-être 2-3 mailles de plus pour faire la petite bordure en point mousse, etc. Quand vous tricotez en petit échantillon, moi je trouve qu'on a tendance à respecter plus ou à être plus conscient de ce qu'on fait dans l'échantillon. Alors que si une fois qu'on est sur des grandes surfaces de tissu, on se relâche beaucoup plus, et là, c'est notre vraie tension qui apparaît. Donc essayez de faire, et là par exemple je l'ai fait, et je l'ai fait consciemment pour vous le montrer, mais je le fais tout le temps. J'ai fait un échantillon, si l'échantillon demandait 16 mailles, moi j'en ai fait 25. Parce que je sais que sur 25 mailles, je vais être beaucoup plus relâchée, beaucoup plus... Ça va respecter plus ma façon de tricoter habituelle que si je suis sur un petit échantillon et que j'essaye de faire bien les choses et que finalement quand je lave et tout ça, ah bah tiens, mon échantillon il est pile poil. Mais après quand je fais mon pull, eh ben non, il est trop petit ou il est trop grand. Et oui, il faut vraiment tenir en compte de toutes les circonstances. Puis on ne tricote pas pareil dans toutes les situations. On ne tricote pas pareil quand on est avec des amis et qu'on bavarde et qu'on ne fait pas trop attention, que quand on est fatigué sur le canapé, que quand on est en montagne et on sort le tricot une fois quand on fait des pauses. Enfin, pensez à l'écriture. Est-ce que vous écrivez pareil la liste des courses qu'un beau texte sur votre bullet journal ou une lettre pour quelqu'un de votre famille? Est-ce que votre écriture est la même? Je suis sûre que non. Bah, il faut penser dans le tricot, je pense. Enfin, il faut réfléchir un peu dans cette même
démarche. Vous n'allez pas toujours avoir le même échantillon et vous n'allez pas avoir le même échantillon que les autres. Donc il faut pas. Il y a des personnes qui se font presque peur avec cette question d'échantillon, c'est presque la hantise de l'échantillon. Non, enfin, je pense qu'il faut le prendre de façon ouverte, de dire bon bah allez, je vais faire mon échantillon, mais je vais le faire avec toute connaissance de cause, je vais me lancer dedans, je vais faire un échantillon un peu plus grand pour être plus à l'aise, pour pouvoir travailler vraiment avec ma tension habituelle, et voilà, et je vais le laver, je vais le bloquer. Et pour scanner entre en tricot, il faut tricoter, 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 et tricoter des échantillons, et voir tricoter des échantillons à plat, en rond, etc. D'ailleurs pour mes cours, les filles qui sont avec moi, et si vous regardez, vous savez bien que je vous fais faire un échantillon plus grand, avec différentes tailles d'aiguilles, on le lave, enfin on fait vraiment toutes ces étapes telles que je les raconte, je vous raconte pas des histoires. Ça a été peut-être, enfin je sais pas si ça vous a intéressé, j'ai peut-être été un peu longue sur ce coup-là de l'échantillon, c'est peut-être un peu nul, je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez, si c'est intéressant ou pas. Je pense que faire le parallèle avec l'écriture peut vous aider à comprendre et à débloquer pas mal de choses. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense ça aujourd'hui, comme demain je peux penser autre chose, mais c'est un peu ce que j'éprouve quand je fais moi-même les échantillons, quand je vois mes élèves, enfin les filles qui sont avec moi en cours, le faire. Donc vraiment je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, il faut juste le faire et savoir se connaître en tricot et penser qu'on ne tricote pas tous pareil, et que si Kate Davis avec du 6,5 a une échantillon de 14, sachant qu'elle a un background, enfin une culture anglophone et qu'elle tricote peut-être à la continentale, moi qui a quelque chose de complètement différent de vie, d'expérience et de tricot, je n'ai pas pour, enfin je suis pas obligée d'avoir exactement la même chose qu'elle, mais je peux adapter, je peux de toute façon tricoter ses patrons dans les laines qui me plaisent et dans les laines que j'ai dans mon stock sans devoir aller prendre et les mêmes aiguilles et la même laine et le même échantillon. Donc voilà, c'est un peu, j'avais un peu envie de vous parler de ça parce que ça m'a beaucoup travaillé ces dernières semaines et voilà, j'avais envie de partager et de vous faire partager cette réflexion et que vous réfléchissez avec moi, vous partagez avec moi vos réflexions aussi. De mon côté, je pense que tout est bon. Je vais vous mettre certainement, alors je sais pas si à part ou dans cette même vidéo, des petites images de l'atelier de teinture qu'on va avoir demain, samedi, avec Hélène et Hélène. Et voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe et vous faire peut-être aussi rencontrer Hélène. On verra comment ça se déroule. Et voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end, une bonne semaine et on se voit bientôt. Salut !